Yo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí. Hey, hey, yo sé que a ti te gusta presumir, decirle a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, querer. Ya ves, de que te vale ahora presumir. RBS 91.9. Pour annoncer sur RBS, RBS. Contactez-nous à pub@radio-rbs.com. C'est rentrant, c'est dévié. Le but du Racing, l'ouverture de score. Elle est signée. Jérémy Philippe. Liénard. Et le but. Le but de Liénard. Ok, la frappe et le but. Planète Racing. Planète Racing. L'émission 100% Racing. Eh bien, ça marche, c'est bon. Eh non, mais on voulait. Allez, ouais. C'était... Et on voudrait faire exprès, on ferait pas mieux. Mais non, c'était pour souhaiter la bonne. Mais en fait, il y a eu un problème de jingle, en fait. C'est pour ça que ça a merdé. C'était le bas. C'était la... C'est un problème d'animateur. On avait fait une super bonne intro, un super bon jingle. Mais c'était. Normalement, il y avait un son de bonne année, mais en fait, on avait la musique de la carioca. Et la première fois en 7 ans qu'on s'est loupé. Bon, faut pas mieux faire. Bah, allez, on vous souhaite une très très bonne année à tous. C'était un petit jingle pour donner la bonne humeur et tout, tu vois, mais en fait, ça a super merdé à mort. Mais bon, c'est pas sûr grave. Qu'on est super heureux. On la refait ? Non, on la refait pas. Allez, bonjour, bienvenue. Il est 21h03 au stade de la Ménorie partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur ABS, la première émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes bien en direct, comme tous les mardis, 21h-22h sur le 919, en direct de la place Kléber. Ça caille un peu, c'est un peu mouillé, on attend la neige demain, ça va être sympa. Et le Racing ça va être sympa ce week-end. Ça va être sapin, ouais, merci. Mais je sens que cette émission est mal partie. Ouais, je crois aussi. Je pense qu'on n'a pas des cuvées du Nouvel An, c'est pas possible. Ça tombe bien, on affronte Épinal. Les mots chiens, c'est bien mis sapin. Non. Oh putain! Toi, tu as des gros problèmes. Déjà, la fille à côté de toi, alors, des gros problèmes avec l'animateur d'avant. Mais vraiment, on vous expliquera pas tout parce que c'est bien dangereux. Je suis un ange. Ça devient surtout, n'importe quoi. On était sérieux. On est dans notre 7ème année et ça devient n'importe quoi cette émission. C'est surtout au vu du temps, on a connu un Strasbourg-Lille où il faisait moins 16. Là, on va pas battre les moins 16, mais la température ressentie, alors je suis un frileux, mais quand même, la température ressentie atteint son paroxysme, et je pense que la bâche est sortie du côté de la stade de la Méno, en tout cas. Ah, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui y étaient, Marguerite? Non, t'es... non, j'étais pas encore l'entraînement. En tout cas, je pense, de toute façon, si on joue pas, on a une amende. Si on ne joue pas, on a une amende, donc vaut mieux qu'on joue. Est-ce que c'est aussi valable en Coupe de France? Ouais, c'est aussi valable en Coupe de France, toute compétition télévisuelle, je pense à partir des 32e, parce que les 32e deviennent sous le giron de la. Pas de la ligue de football professionnelle, mais deviennent professionnels, ben voilà, tu peux avoir une amende.
Allez, bien sûr, on va parler de ce match de Coupe de France face à Épinal samedi 15h à la Méno. D'ici là, il y aura eu de la neige demain, il y aura eu moins 11 dans la nuit de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. Je sais pas comment ça va jouer. En combinaison ski peut-être samedi Tu viendras comme tu veux, mais ça on en parlera tout à l'heure. On va bien sûr parler de ce match de Coupe de France avec notre invité tout à l'heure, Fred Marquez, qui a joué au Racing Club de Strasbourg de la saison 2014, bien sûr. On va vous parler, on va peut-être revenir un petit peu sur le match de Niort encore, hein, parce que c'était avant les fêtes, on n'avait pas décortiqué puisqu'on était déjà en mode vacances et on y est toujours d'ailleurs vu le début d'émission qu'on vient de faire. Mais c'est pas grave, c'est le direct, hein, c'est comme ça, voilà, on change pas une équipe. Hein. On avait commandé de nouveaux animateurs pour le nouvel an et la réveillon, mais ça va, les Noël, ça n'a pas marché. Bon, tant pis. Bref, pas grave, en tout cas, on remercie les 11 800 fans de Facebook. Merci à vous qui nous suivez, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais commencer par un petit truc que j'ai lancé hier. Et je m'aime parce que... Tu nous offres un cadeau ? Non, c'est pas ça. Ah, non. Merde. Ah. Non. Déjà, il y a plein d'infos, plein de nouveautés aussi hein, sur notre page, sur notre site. Enfin voilà, on continue. On remercie déjà hein, toute l'équipe qui nous suit derrière. Il n'y a pas que les gens ici au studio. Hein, il y a tous les gens également qui travaillent comme Tony à nous faire des articles, comme Franck, comme Luc. Voilà, Tony, 3000 lectures hein, sur un de ses articles. Ouais, c'est pas mal. Et puis, voilà, il y a le petit nouveau qui vient d'arriver aussi. Hein, il était avec nous avant Noël. Il s'appelle Yvan et il va vous faire revivre les belles aventures du Racing, les belles images, les belles vidéos à travers les souvenirs du Racing Club de Strasbourg qui nous rejoint et il emmène avec lui tous ses souvenirs qu'il vous fera partager deux fois par semaine à peu près pour notre plus grand bonheur et le plus grand bonheur tous les gens qui suivent notre page. Moi le premier, il a fait une section images panini et rétro. Ça c'est spécial pour toi, dédicace. Spécial dédicace. Et il y a du boulot. En plus, on peut revenir loin. En plus, c'est ça qui est sympa avec les images. Il y en a vraiment beaucoup. Et en tout cas, on prend grand plaisir à vous faire remonter tout ça. Et puis, on a fait un petit carton aussi hein, depuis hier. On vous a fait partager une petite image. Et moi, alors, je pensais vraiment pas. Et je tenais à remercier tous les gens qui ont déjà répondu. Ça a dépassé la barre des 1000 là. Ouais, je là. Sais. La barre ouais, des 1000. Je sais, j'ai vu. Je pense que c'est peut-être même le plus gros message. Un des plus gros messages qu'on a connu. Alors Quentin, il est en train de faire des photos de son gobelet. Laisse le gobelet tranquille, il n'a rien fait le gobelet. C'est juste que j'étais assez surpris des résultats et je voulais en parler un petit peu en début d'émission là ce soir. Donc plus de 1000 qui ont répondu à ce sondage. En fait, la question était simple, c'était depuis quand êtes-vous fan du Racing Club de Strasbourg. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous allez sur Planet Racing. Moi j'ai deux sections, je sais comment. T'as quoi ? Ouais. J'en ai deux. Elle est devenue fan le 31 décembre 99. Dans les années 90. Elle a fait une pause. Voilà, dans les années 2000, j'étais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors tu sais quoi ? Tu crées un second compte Facebook, tu t'inscris, tu likes et tu mets ton truc. D'accord. Voilà. Hein ? J'en ai deux. En fait. Tu mets Marie-Agathe 90, Marie-Agathe 2000 et puis comme ça on comprendra. Ok, voilà. Ça marche. Donc pour toutes les blondes comme elle, contactez-nous au 03 88 10 94 93, on donnera toutes les informations. Ouais, bah justement, c'est ça qui nous inquiète. Des petits problèmes. Voilà, et juste un peu, voilà. Juste pour un petit peu rebondir ce qu'on a dit avant de revenir bien sûr sur le match junior et bien sûr le match d'Épinal. Moi j'étais assez surpris de ce résultat puisqu'on vous demandait en fait tout simplement depuis quand êtes-vous fan du Racing. Alors c'était pas compliqué, il y a on va dire 5 catégories avant les années 80, les années 4. Ouais. Pour la France. Hein. Ouais. Et Racing, c'est pas si mal comme ça, hein, la France. Ouais, sans moi. Les années 80, les années 90, les années 2000 et les années 2010. Alors voilà, c'était un petit peu toujours champion de 79, les années 80, les périodes d'Echter, les années 90, la Coupe d'Europe, Mostovoy, blablabla, etc. 2000, Chilavert, Coupe de la Ligue, Coupe de France et tutti quanti. Et puis les années 2010, bien sûr, la reconstruction, le nouveau Racing. Et alors j'étais assez surpris quand même. Alors il y en a déjà deux qui n'ont pas compris les attitudes. Puisqu'il y en a deux qui n'ont pas les bons smileys, je sais pas. En fait, c'était 1906. D'accord. Ah, peut-être 1906, d'accord. Ou après 2010, je sais pas. Ah, c'est bizarre. Ah oui. Ok, c'est bon, je viens de comprendre, le sondage. D'accord, donc c'était elle qui a fait le smiley. Non, attends, qui est fâchée. Ah oui. C'est celui-là que tu parlais, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Non, moi je suis dans le... pouce. D'accord. Donc justement le pouce, et ben c'est le pouce des années 90 et là vous êtes pratiquement 45% de gens qui sont fans du Racing depuis les années 90. C'est quand même pas mal. C'était une super belle période. On va pas se cacher, c'était vraiment une super belle période. Ceux des années 70, ils sont pas sur Facebook. Détrompe-toi, il y en a quelques-uns. Il y en a pratiquement une dizaine de pourcents des gens qui sont fans du Racing depuis avant les années 80.
Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Dans les années 2000, il y en a environ 28%. Dans les années 2010, 14%. Et puis le reste, avant, voilà, dans les années 80, il n'y a pas grand chose. Il y a un petit peu moins de 5%. Enfin, alors, en tout cas, moi j'étais assez surpris. Donc le Racing, il a son. C'est fidèle, mais c'est vrai que le gros contingent est dans les années 90, pratiquement 50%, allez, 45-50% de gens qui sont fans du Racing depuis les années 90. En même temps, comme tu l'as dit, Anto, c'était. On y est pratiquement tous dedans. C'est Alex qui l'a dit, mais moi c'est à peu près les années 2000. 90 j'ai commencé, mais vraiment à suivre vraiment c'est 98-99. Alors un peu la mauvaise période, c'est l'après Coupe de la Ligue avec la Coupe de France etc en 2001, mais c'est vrai qu'on est dans cette génération là les anciens vont plus forcément au stade, et ce qu'on ressentait tous, c'est qu'il y a une nouvelle ferveur depuis le début de Pilan, et je pense que le public devient de plus en plus jeune. On le voit dans les Ultra Bowl 90, la fédé des supporters, etc. Je pense que maintenant il y a un bon socle, le club a bâti sur un bon socle, et s'il continue comme ça, on peut devenir un encore plus grand club avec une plus grande ferveur de supporters comme les Marseille, comme les Lyon, comme les Saint-Etienne, comme les Lens. Parce que il y a ces personnes-là, c'est même on le voit, Chid Greg qui a fait son livre La 9 fois autour de la Terre, il a rencontré sa femme au Racing, je pense que ça peut faire aussi club de rencontre, voilà. Mais le Racing est devenu un lien de convivialité, pardon, et devenu une sortie, et pas devenu la sortie du beauf, est devenu une sortie à part entière, une sortie où on a l'impression d'appartenir à quelque chose, à un bout d'histoire. Bah, vendredi, on appartenait au glaçon, ça ouais, c'est sûr ça. Que vu la température. Samedi. Oui, ouais. J'ai dit, non, mais tellement l'habitude. Non, le vendredi. Ouais. Alex, c'est quand toi? Où? Au stade? Ta première fois en Racing. C'est à peu près comme Anto, c'est fin des années 90, ça devait être 97, 98. J'étais avant vous, moi. Non, ah, mais toi, t'as fait une pause. Moi, c'est 95 ans. Strasbourg-Martigues, on gagne 6-0 avec les maillots Jurassic Park. Voilà, c'est une petite histoire. Jurassic Park? Ouais. Park il y avait. Alors, il y a ouais. eu le jeu vidéo hein Jurassic Park. Vous chercherez, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent ou des fans ce soir, mais vous chercherez sur Internet, le Martigues a eu comme sponsor un jeu vidéo qui était Jurassic Park et il l'avait sur le maillot. Faut pas avec Mammouth, non? Non. Je suis sûr. Il faut avec des pots, les mecs. Je suis sûr. Et Fred regardera pendant l'émission, pendant qu'on fera l'interview de Fred Marquez, il dira que j'aurais raison. Et c'était ce match-là. Et j'ai fait des recherches parce que j'ai eu ce soir-là le maillot de Marc Keller que j'ai encore. Voilà, c'est la petite histoire. Mais moi, j'étais en 92-93. Et donc, ouais, bah là, je peux pas. Je pense que j'y étais pas, moi. Mais voilà, c'est la petite histoire. Du coup, voilà. Et on jouait contre Martigues et le maillot et Jurassic Park, je suis sûr de moi. Et t'as gardé le billet, du coup? Non, j'ai pas le billet. Parce qu'à l'époque, on avait quand même les billets. Et je trouve que c'est vrai que sympa. Je l'ai gardé ouais. aussi. Ouais, j'ai aussi acheté là, mais. Mais moi, j'ai commencé en loge, hein, j'ai mal fini ensuite. Mais... Excusez-nous, cher ami, de débarrer en loge. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous, on avait les populaires. Bah. C'est ça, populaires. À la grille, on était tout petits, on avait 10 ans, mais on voyait rien. Mais c'était pas grave, on chantait quand même. Voilà, c'était. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu. Et continuez aussi. Hein, je sais que sur Twitter également, il y a pas mal de gens qui ont répondu. C'est plutôt sympathique. En tout cas, voilà, on vous en remercie. C'est vraiment bien. On en fera un petit résumé. Et puis, ce qui a permis aussi de remonter pas mal de souvenirs aussi. De pas mal de gens tout à fait ça va être sympatoche. En tout cas, merci de nous suivre, et puis bien n'hésitez pas à toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là pour ça. On vous en remercie parce que c'est grâce à ça, et c'est grâce aussi pour ça qu'on vous fait partager toutes les informations le maximum en live. On diffuse même des faux transferts de joueurs qui n'étaient pas au Racing. Je sais pas qui a fait cette boulette là aujourd'hui, mais il sera puni c'est moi t'es puni, c'est t'es qui le joueur et pardon, c'est Clément. Moi non, c'est qui le joueur, c'est alors je sais plus Clément, c'est Rudy hein Estève. Et en fait, c'est dans l'article, c'est marqué qu'il a joué au Racing Club de Strasbourg. T'as pas vérifié tes sources, toi? Bah non, il y a marqué dans l'article, c'est l'équipe qui l'a noté. L'équipe, enfin peut-être qu'il change. C'est les stagiaires en ce moment. Peut-être, mais j'ai pas fait. Il y a marqué qu'il a joué au Racing, du coup, quand j'ai lu le chrono, je l'ai transféré. Tu sais, parfois quand il y a écrit qu'il vient au Racing, il y a plusieurs Racing en fait, hein, Racing Santander, Racing Strasbourg. Ouais, non, mais là, ils sont vraiment viandés complètement. Ils sont viandés, on est d'accord. C'était du foot? Racing 91. Non mais c'est moi, mais j'ai pas. Et le nom me disait quelque Chaval chose. Chaval signe Racing. Eh, quoi non, c'est pas le bon. Mais le nom me disait quelque chose, c'est pour ça. Et en plus, il y avait marqué Racing Strasbourg, du coup, j'ai fait suivre. Quoi. Il a pu être au centre de formation, on en a perdu beaucoup comme ça. On a pas eu beaucoup de joueurs anglais quand même. Non mais je pense à Charles Lely, le Provost. Le Canadien là. En fait, qui a joué à la réserve et qui maintenant a signé. Il est à Fribourg et il part à Magdebourg. Ouais, voilà.
Ben, c'est pareil, de nom, ça me disait quelque chose, comme Rudy Estet pouvait plus ou moins me dire quelque chose. Bah, c'est pareil, c'était un très bon espoir, la prévote. Là. Ouais. Et du jour au lendemain, t'as plus du tout de. Bah, il est parti. Il est parti en même temps que le club s'est cassé la figure, ça, en ouais. fait. Hein. Il est parti champion de CFA2. Et c'est là où il est parti parce que bah, le Racing pouvait pas le garder. Et il est parti à Fribourg. Malheureusement, il a pas percé à Fribourg. Et donc maintenant, il joue en réserve. Et donc, il part maintenant du côté de Magdebourg. Voilà. Mmh. Il continue, c'est un petit peu sa migration. C'est les joueurs qui ont pas percé. Effectivement, il avait une bonne cote à l'époque, quand même, début des années 2010, hein, quand le Racing était au top en CFA2. On va juste reprendre le fil de l'émission parce qu'on a fait une longue partie sur la page Facebook. Ouais, on a digéré un petit peu. Tu voulais parler du match de Niort. Oui, du match de Niort. Ouais. Alors le match de Niort, c'était le Noël du Racing. Ouais. Magnifique. Alors je trouve que. Ah bon. Ben, c'est magnifique. Le but de Grimm. Ah d'accord. Bah, attends, mais pas encore. On est pour l'instant. Pour moi, on arrive au stade. Voilà, ouais. on arrive. Ah, voilà. On arrive au stade. Ah, d'accord. C'est magnifique. Voilà. On a eu les traditionnels bonnets. Par contre, ils nous ont pas donné ceux d'avant. Ils nous ont donné des bonnets un peu refaits. On va dire. Non, c'est pas les mêmes que d'habitude. Ils ont changé les sponsors. Il y avait Hummel. Ah, il y avait Spi, ouais, dessus. Il y avait Spi, ouais, voilà. Et il y avait, ce qui était très joli, les deux boules qui flottaient dans le ciel. C'est pas les miennes, hein, parce que je le vois déjà, mon voisin de droite. Je le vois déjà, moi. Non, mais. N'importe quoi, c'est de son voisin. Il y a Anto, tête en bas. Non, mais je le voyais déjà, moi. Et je trouvais ça sympa. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des photos. C'était des lanternes. Elle, un peu plus, là. Je sais pas si. Elle t'imagine. Bah, je pense qu'elle avait pris l'apéro avant. Non, même pas. Demande à Alex. Ouais. Ah, mais on veut pas tout savoir. Elle a pris autre chose. Ah, ouais, c'est ça. Mais du coup, il y avait ça. Et l'histoire de. Les gens ont ramené leur drapeau aussi du match de Lens. Et je trouvais l'ambiance super sympa. Et on s'attendait tous à une victoire. Elle est arrivée un peu sur le tard. Pendant 60 minutes, ça a quand même été difficile. Ouais. C'était pas le match le plus nul à regarder. Mais c'était pas le plus excitant. Je me souviens surtout qu'on a écrit sur Facebook en disant « Petit papa Noël, s'il te plaît, inspire-nous ces joueurs. Mmh. » 3 minutes après, la passe en retrait de Bauken et le missile de Grimm dans la lucarne. Alors, excuse-moi de te reprendre, je suis pas sûr que c'est une passe en retrait, c'est plutôt une perte de balle. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Même sur le résumé, la vidéo, tu... Ça me rappelle une passe décisive que j'ai fait au foot et j'avais dit que c'était un centre-tir, mais c'était un tir c'était complètement foiré. Ouais, puis... Ça, c'était Guillaume. Ouais, mais c'est exactement pareil. Ouais. Ouais. C'est un peu le même idée. Ouais. Mais c'est comme Bauken qui la donne. Oui, ouais. Alors Bauken la donne, après je la tirerais pas comme passe décisive. Tu vois. Je sais pas, parce que c'est surtout les défenseurs qui ont un comportement bizarre sur l'action. Et tellement surpris de cette passe un peu au milieu de tout le monde. Mais après, c'est surtout la balle va doucement et lui il la prend, j'appelle ça l'allemande, mais ça me rappelle des vieux buts de Bundesliga des années 90. Ouais. Où en fait elle part gerade aus, on peut dire ça comme ça, elle part toute droite et pleine lucarne. Et je trouve que c'est un beau but. C'est dommage qu'il n'était pas de notre côté, parce que je pense qu'on aurait bien. Oui. Bien aimé. Ça aurait été classe. Mais on en parlait. Mais, non, moi je trouve qu'on l'a mieux vu de notre côté. Parce que là, on était tout droit en fait. Ouais, mais t'es loin. Ouais, mais c'est pas grave. Pour les auditeurs, on est en ouest basse. Ouais, mais on a surtout vu la trajectoire du ballon en fait. Ouais. Alors que de l'autre côté, tu l'aurais pas vu, tu l'aurais vu filer vers le but et marquer, mais. Si tu vois la balle venir vers toi, ça peut être sympa aussi. Ouais. Mais c'est surtout, comme dit, je pense que c'est un des plus beaux buts de la saison, et on le disait début de saison, il n'y a que Grimm qui est capable de mettre des frappes comme ça. Il y a Granit qui s'y est tenté. Il n'y a personne qui tente en fait. C'est rare. C'est ça. Mais après, en général, les deuxièmes ballons. Au 20 mètres, c'est souvent des milieux, soit le 8, soit le 6. Hein. C'est le mec qui est sur un corner ou une action, en fait, à la récup. Ou c'est l'attaquant qui allait pisser, qui est en retard sur le corner. Mais il y a peu de chances, effectivement, que sur un deuxième ballon, ça soit pas un milieu de terrain. Mais Grimm a souvent fait tenter des frappes. Il a déjà marqué ça. J'ai déjà vu quand j'ai préparé le jingle, j'ai retrouvé un de ses buts où c'était la même chose. La balle qui revient à l'entrée de la surface, il tire dans le. Je sais pas si vous vous souvenez, une demi-volée comme ça, c'était contre Dunkerque, je crois. On l'a commenté toi et moi, mais je m'en souviens plus. Voilà. Et c'est vrai que il hésite pas quand elle revient, comme face à Lens, c'était pratiquement la même chose. Hein. Enfin, il traîne par là, et en tout cas, quel but de Grimm. Vous pouvez d'ailleurs voter pour lui sur. Dominus League 2. Voilà. Merci de faire la promotion pour la marque de PIZZA. Et donc oui effectivement en tout cas j'ai déjà vu les premiers résultats, il est en tête, 80% d'avance, un truc comme ça, donc il n'y a pas de souci, ça sera un des plus beaux buts même peut-être de la saison sûrement, parce que franchement il est juste magnifique. Et même chez nous dans le classement des étoiles, en fait Grimm depuis le début de saison est un joueur qui est régulier,
il fait son travail, mais il l'a déjà fait en national, il l'a déjà fait en CFA, enfin, partout où il est passé, pardon. Il a fait son travail et il le fait plutôt bien, et je pense que chez nous, il va finir premier. D'ailleurs, il a été récompensé, il était nouveau élu meilleur joueur du mois de décembre, donc... Je vois pas comment il peut pas finir meilleur joueur de la saison. Enfin, on lui espère en pas. En plus, c'est tu vois vraiment que c'est pour ses capacités, on va dire, de footballeur, parce qu'en général, un défenseur est le meilleur quand ça va mal, ou le gardien est le meilleur joueur du mois quand il a sorti 15 arrêts, et que là, bah, on est quatrième, ex aequo avec le troisième. Boutaïb pourrait être le joueur du mois chaque match. Il est à 10 buts, il est quatrième meilleur buteur. Et non, choisir un milieu défensif. Donc tu vois quand même que le mec est un cran dessus, et que je lui souhaite le plus dur, c'est de perdurer, mais il a quand même cette régularité qui me fait dire que, voilà, on a un... Pas un Morgan Sundell en puissance, mais on a un futur bon... Ah, c'est pas le même style, mais... Non, mais un futur bon joueur de Ligue 1, un futur bon milieu défensif de Ligue 1. Il a un petit peu un côté à l'ancienne, à la Domenech, avec... Il est capable de faire un tacle, de partir du rond central pour tacler jusqu'au banc de touche. Donc, un tacle sur 10 mètres, mais c'est vraiment... voilà, c'est un joueur à faire re-signer rapidement, quoi. Il est quand même... très défensif pour un joueur, pour un milieu défensif de Ligue 1. Oui, c'est vrai. En Ligue 1, t'as beaucoup de milieux défensifs qui vont récupérer la balle et porter ensuite la balle vers l'avant. Grimm, il va avoir beaucoup plus de mal. Il va récupérer très bien la balle. Il va être super hargneux sur les joueurs adverses. Ouais. Il va ratisser un nombre incroyable de ballons. Par contre, c'est pas forcément, en tout cas dans la tactique qu'on affiche actuellement, c'est pas forcément son rôle de ramener la balle devant, de la passer à Granit ou sur les côtés. Et je pense que c'est ce qui peut lui manquer si on monte. En tout cas, belle progression de la part de Jérémy Grimm, hein, qui s'est imposé au fil des saisons et après, qui est vraiment un des maillons forts, hein, tout simplement, de cette équipe. Hein. Après, pour en venir au match, il y a eu quand même l'arbitre a fait des siennes, hein, parce que en première mi-temps, il y a eu ce sauvetage sur la ligne d'un joueur qui donne corner, qui devait donner corner, qui donne 6 mètres. J'avais oublié, ouais, exact. Alors que, j'ai pas vu le résumé, alors j'essaie de me souvenir avec la feuille c'est de match. C'est une frappe de Boutaïb. Je crois qu'il y a le gardien qui est un peu au chou et Boutaïb frappe et la balle elle file le long du poteau et t'as un défenseur qui est sur la ligne, elle lui rebondit entre les jambes et elle part. Elle part en corner, ouais. Et l'arbitre donne 6 mètres alors qu'il a quand même un assistant qui est à côté de lui et lui était pas forcément trop loin. Donc ça a commencé comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a, on va dire, compensé parce que, ok, on marque le but plus ou moins contre le cours du jeu parce qu'il se passait rien et moi comme phrase, tout. L'arbitre va compenser. Moi, c'est pas Alex. Bah oui. Bah, c'était vrai la dernière souvent. Fois. Hein. Ouais, et pas tout le temps. Hein. Bon, on perdait 3-0. Mais il a compris. On a quand même eu le pénalty. Oui. Je parlais pas par ce match-là. Mais le but de Grimm a un peu déclenché, on va dire, le match. Mais c'est derrière, sur l'action, Bauken se fait bousculer. C'est gentil. Le carton rouge est très très gentil pour Mathieu Sens. Oui, il est bien placé. Ouais, mais. En fait, de là à dire que Bauken aurait mis le but et que ça a annihilé une grosse action de but, enfin, ça fait vraiment double peine. Je pense qu'il a appliqué le règlement à la lettre sans faire de psychologie ou quoi que ce soit. Parce que s'il siffle faute, c'est forcément dernier défenseur. Donc, dernier défenseur, t'as annihilé une occasion de but. Après, par contre, il met la double peine, c'est ça qui est un peu moyen. Ouais. C'est plus un problème, je pense, dans le foot que le fait de siffler. Ouais, mais après, faut être un peu psychologue. À la limite, il y a péno. On met sûrement le deuxième. Il y a de fortes chances que ça fasse 2-0. Tu leur enlèves un joueur encore en plus. Sachant que derrière, Jimmy Roy s'est fait expulser aussi à la fin. Et ça, c'est la petite histoire. J'avais invité mon fournisseur, la Fred, à bien parler avec lui d'ailleurs, qui était l'ancien vice-président du club de Niort. Et en fait, Jimmy Roy, du fait de son expulsion, a eu une suspension de salaire de 2 semaines, si je dis pas de conneries. Oui. Ouais. Bah, le club a trouvé ça inadmissible, son comportement, et lui a suspendu 2 semaines de salaire. Ah ouais, l'expulsion en fin de match, c'est ça? Oui. Parce qu'il était comme il avait envie de se le faire, il se l'est c'est fait. Ça. C'est ça. Surtout qu'il se relève, il part directement vers le vestiaire avant même que l'arbitre sorte le carton. En fait, c'est une info qui n'est pas sortie, mais c'est lui qui me l'a donnée, quand je l'ai eu au téléphone pour la nouvelle année. Et puis ce troisième but de Boutaïb, qui est pas mal aussi, je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit qu'il a raté sa tête pour un centre en fait. Oui. Et tu le vois je sais pas. Si, parce que tu le vois sur la vidéo, j'en ai reparlé avec quelqu'un. Il montre Blaya. Il s'excuse auprès de Blaya. Ouais, il dit je voulais te la mettre. Et en fait, tu vois bien, même le gardien. Mais est-ce qu'il s'excuse parce qu'il de ne pas lui avoir donné le ballon et d'avoir tenté le coup direct? Ou est-ce qu'il s'excuse d'avoir raté sa tête et d'avoir marqué indirectement? Non, je pense qu'il voulait la remettre en direct, mais il est en telle pleine bourre. Ouais. Il voulait la mettre en direct comme Blaya, mais en telle pleine bourre que même le gardien s'est fait avoir parce que le gardien fait un pas. Et que la tête arrive à 2 à l'heure. Placée, hein. Elle est bien placée, mais elle arrive pas vite. Non. Si le gardien avait pas fait cette erreur de placement, il n'y avait pas but.
très clairement. Et non. Le gardien s'est fait avoir parce qu'il pensait également qu'il allait remiser à Blayak. Blayak ouais. pensait qu'il allait. Et voilà, ils en rigolent tous les deux sur la célébration du but. Donc, bon, je pense qu'il ne fait pas exprès. Ouais. Mais ça fait partie du lot des attaquants qui sont en pleine bourre. Un peu comme Giroud, là. Le but des Giroud, ouais, monstrueux. Mais Giroud, c'est un réflexe qui donne une lucarne. Voilà. Si, voilà, ouais. Mais qui fait le but de l'année, voire de la décennie. Enfin, ouais. C'est un but magnifique. Pas de la décennie, mais. Avec Cruyff, il en a marqué des comme ça, ils sont restés vite à l'éternel. Enfin, non, mais ça me rappelle Charles-Édouard Corridon avec le PSG qui en avait mis un contre le club Moscovite. Là, t'as sorti le nom qui tue quand même. Hein. Ouais. Bah, ouais, Corridon. Bah, en 2003, en Ligue des Champions, ils avaient joué contre le CSKA Moscou, ils avaient perdu 3-2, Corridon avait fait le score. Et en fait, le mec en face avait marqué 3 buts, ils avaient recruté ce mec qui était un vrai tocard en fait. Je sais plus comment il s'appelle le mec. C'est un peu comme nous avec Schlesser Nemeth, il a mis un but en équipe de France, contre l'équipe de France, mais bon voilà. Ouais, bon, en tout cas, voilà, belle victoire du Racing Club de Strasbourg. Le Racing qui était à ce moment-là sur le podium, qui est juste glissé d'une place, puisque avec les matchs en retard, bah, ça s'est un petit peu décalé. Mais voilà, le Racing qui, en tout cas, bah, est bien placé dans ce championnat. Il reste quelques points pour obtenir le maintien. Et c'est ça, déjà, la priorité absolue de ce championnat de Ligue 2, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Hein, on n'oubliera jamais d'où on vient. On est quand même promu et d'abord, le maintien, c'est essentiel. On va peut-être faire un peu Giroud, mais voilà, avant de voir plus haut, bah, voyons déjà où on est. Et puis voilà, bah, y a, bah, du coup, voilà un petit peu les infos. La trêve de Noël, bah, les joueurs, on peut en profiter un peu pour se reposer. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque juste avant le réveillon, bah, ça a recommencé. Surtout, un mot pour la trêve, j'ai trouvé ça étonnant. Thierry Loret a dit que c'est la première fois de toute sa carrière d'entraîneur, et il a quand même une longue carrière d'entraîneur, Thierry Loret, que les joueurs n'ont pas dépassé les bornes de kilos. Alors, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais on pas dépassé le seuil de kilo. Tout le monde était très sage à Noël. Mais bon, ils ont aussi dit que les amendes étaient très lourdes. Ouais. Bah, tu chopes 15 000 euros d'amende pour un gramme, je pense que tu vas courir tous les jours. Je peux te dire que ZNK aurait dû signer un contrat de 5 ans et sur 5 ans, il aurait été payé gratos. Ouais. Non, mais voilà, soit dit en passant, ça montre le sérieux des joueurs, déjà de 1. Et ben, j'ai trouvé ça étonnant et ça montre l'état d'esprit aussi. Enfin, C'est très sérieux et concentré. Voilà, c'est ça. Et c'est dans la lignée de ce qu'on a bâti depuis 2011 et les joueurs sont toujours dans cette mentalité-là et c'est très très bien. Est-ce que c'est sérieux et concentré ou est-ce que c'est plutôt les joueurs qui ont peur pour leur place et donc qui veulent mettre toutes les chances de leur côté ? C'est un peu tout, mais ça fait partie de la sérieux de la concentration, du fait que. Bah certains, il y a certains professionnels qui sont un peu fêtards, etc. Ben là, du coup, ben, les mecs ont bien mangé, sûrement, mais sont restés dans une norme. Voilà. Et je trouve ça très bien. Malheureusement, ben, il y a eu la liste de la CAN également. Ouais. Alors j'étais étonné, moi, mais on n'a pas eu Alex Oukidja cette année encore, qui n'a pas été sélectionné. Parce que quand tu regardes la liste des trois gardiens. En même temps, c'était une rumeur. Enfin, je ne sais même pas si lui, ça l'intéresse vraiment d'aller. Je sais pas. Rumeur, il l'avait relayée également sur son compte Twitter. Oui, mais il n'a pas de lien forcément avec l'Algérie. Enfin, ça, c'est compliqué quand même. Après, de lien, en général, surtout actuellement, avec la FIFA, il suffit que ton chien parle le troisième des camps et le copain du frère d'un mec qui est algérien, et c'est bon, t'es en sélection. Hein. Enfin, ça, j'abuse un peu, mais c'est à peu près ça. Puis, je connais pas les origines du nom Oukidja, mais peut-être que ça peut être algérien. Hein. On n'en sait rien, mais le fait est qu'il l'avait dit. Il l'avait dit, son origine. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc quand tu vois la sélection des trois gardiens qui jouent à l'USM Alger, etc., et tu vois que l'Algérie a plus une aussi bonne équipe que durant le mondial où, enfin, ils ont eu une meilleure équipe il fut un temps. Il aurait pu avoir largement sa place, Alex Oukidja, comme d'autres. Mais heureusement pour nous, on le paume pas. Hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y avait eu le cas Ndour. Je me souviens plus s'il a été sélectionné ou pas. Lui, Abdallah Ndour. Il était en présélection, mais je crois qu'il a été présélectionné. Ils ont fait du suspense sur la liste du. Bah, il n'a jamais donné de liste en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est qu'il n'a jamais diffusé officiellement comme l'ont fait les autres. Le Maroc, c'était parmi les premiers, le Togo, je ne sais plus. Enfin, ouais, eux, ils ont donné une vraie liste des 23 en disant voilà la liste des joueurs. Alors que le Sénégal, ils l'ont donné officiellement à la fédération, mais ils n'ont jamais divulgué, on va dire, au niveau de la presse, la liste, soi-disant suspense, parce qu'il y a pas mal de doutes sur certains joueurs, en fait. C'est surtout ça qui a fait que ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a peut-être une autre explication pour Oukidja. Peut-être qu'il avait été pressenti et que lui a pris les devants pour dire non. Il est en fin de contrat cette année, je crois. S'il ne joue pas pendant la CAN et que pendant ce temps-là, au Racing, t'as bonne foi qui lui prend sa place Non, enfin, sur la hiérarchie, c'était plus ou moins clair. C'était comme l'année dernière, pas avec Nicolas Douchez, j'ai oublié son nom. Vous allez m'aider. Olivier Blondel. Olivier Blondel, merci. Ils ont joué ensemble, hein, Nicolas Douchez et Olivier Blondel. Donc, c'est pas facile.
Et je l'avais appelé Nicolas Douche. Nicolas, la première fois qu'on s'est vu, sa petite histoire. C'est pris une baffe direct. Mais c'est pas loin en plus. Le contrat est clair. Landry vient soutenir Alex Oukidja. Donc sur ça, j'avais pas peur. Je pensais que t'allais dire plutôt, bah, s'il tourne bien et qu'éventuellement on est en Ligue 1 et qu'il tourne encore bien, peut-être qu'il pourrait être peut-être un jour troisième gardien en équipe de France. Oula. Non mais voilà. Tu vois loin toi. Tu sais, dans le foot tout peut aller vite. Et sachant que Golioris, Steve Mandanda, etc. sont plutôt déjà sur la fin de carrière, il y a des bons gardiens comme Baptiste René à Dijon qui sont très bons. Il y a Paul Nardi qui joue pas, qui a été prêté à Rennes, qui revient à Monaco, qui joue pas, mais qui pourrait être un gardien de l'équipe de France en puissance. Enfin voilà, ça pousse, mais il n'y a pas de succession de gardiens, Mandanda et Loris. Costil est en fin de carrière, il a 33 ou 34 ans, donc c'est bientôt. Donc il y a ce socle-là qui est bientôt en renouvellement, et Oukidja est pas très vieux, hein, je sais plus, je crois qu'il a 26. Non, il a mon âge, il a 28. Ah, t'es déjà vieille, toi. Non, mais voilà, donc ça pouvait être une piste, mais on perd Boutaïb. J'espère que ça fera jouer Blayac. J'aimerais bien voir Ben Kaït sur la deuxième partie de saison. Voilà. Ouais. Parce que, ben, c'est. Bah, peut-être samedi. Peut-être samedi, je lui souhaite, Hicham Ben Kaït, parce que c'est vraiment un bon joueur. Surtout Blayac est un peu incertain. Hein. Il était un peu blessé aussi, là. Donc, pas sûr qu'il soit présent encore. Ça, c'est un peu dommage. À la limite, Guillaume serait blessé, c'est moins gênant, mais. Attends, il y a des regards là. Il y a quand même un sacré turnover samedi, hein, puisque bon, Noguera suspendu, Grimm suspendu, Goncalves sur le retour après 3 mois, ce qui va le mettre titulaire, il a pas 2 heures dans les jambes, ça c'est sûr. Voilà, il y a des joueurs aussi sur le retour, Mangan, Saad, voilà, il y aura forcément un peu de rotation. Est-ce que le Racing va jouer à fond aussi avec son équipe type, sachant qu'il a un gros mois de janvier derrière quand même, hein, il va aller à Amiens. Il avait quand même mis l'équipe type contre les petits clubs là, je sais plus qui on avait affronté dans l'Alsace du Nord. C'était à chaque fois l'équipe type qui mettait. Hein. Ah, vous étiez à Oberlotterbach. Ouais, c'est ça, Oberlotterbach. Ouais, tout à fait. Hein, mais voilà, je sais pas si ça va continuer sur ce rythme-là. Bon, est-ce que la Coupe de France reste un objectif pour le Racing? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et aussi, il faut pas oublier que si samedi il a gelé pendant toute la semaine là, est-ce que Loré va prendre des risques à faire jouer des joueurs au risque de se blesser, quoi, hein, parce que jouer sur une dalle de béton là, ça va quand même pas être évident. Hein. Bah, c'est toujours le risque de la Coupe de France. Jacky Dupérou le disait toujours, tant que t'as des trous dans le calendrier, autant jouer. Là, je vois Épinal joue un match amical à Metz. Je sais pas. Ils ont perdu 1-0. Ouais. Je savais pas. Mais pour eux, ça c'était risqué. Je sais pas pourquoi ils l'ont joué là. Enfin, sachant que tu joues samedi, voilà. Et eux ont des trous en national. Je sais pas si le championnat national reprend déjà la semaine suivante. Mais pour eux, c'est tant mieux. Pour nous, c'est déjà plus compliqué en Ligue 2. T'as juste les trous des matchs internationaux et l'équipe de France, je crois, rejoue seulement en avril. Donc d'ici avril, il se passera pas grand chose et on sera déjà en fin de saison. Donc il y a plus trop grand intérêt. Tu rajoutes un truc dans le calendrier. Après, soi-disant passant, avec 32 points, à toucher du bois, à 18 journées de la fin, si on fait pas une Jean-Marc Furlan, ça devrait être bon. Ouais, une Jean-Marc Furlan, hein. c'est pas mal. T'as un copyright dessus ? Ouais, j'ai un copyright. Non, mais ça devrait être bon. Ouais, voilà, il devrait pas se passer grand-chose. À 11 journées de la fin, on avait 31 points. Ouais, mais tu te rappelles plus l'année nationale aussi avec Fournier. Il disait avec 72 points ou je sais plus quoi, il pensait qu'on allait monter. On avait 77 points. Ouais. Et on est quand même resté quatrième. Enfin. On avait 77 points. Bon, voilà. Laissons-le. Autant le. Chaque joueur son tour. Je pense que voilà, moi, on sait que c'est aléatoire. On peut se faire plaisir et puis on avisera ensuite de toute façon de comment ça se passe. On verra déjà. Peut-être effectivement, ce qui serait bien, c'est de passer encore un tour, voire deux en Coupe de France, pourquoi pas, hein, rêver de recevoir de nouveau au prochain tour, ou alors d'aller à l'extérieur, bon, chez un plus petit, et puis jouer. À mon nez, après, ça va vite. Hein. Enfin, tu peux vite te retrouver en huitième, en quart, et puis pourquoi pas rêver d'un beau parcours. Ouais, ça peut être intéressant, même financièrement, peut-être pour le Racing. Moi, je serais plus à jouer la Coupe de la Ligue, où il y a moins de tours. Ah, c'est trop tard, on est déjà sorti. C'est trop tard, ouais, mais si j'étais entraîneur, j'aurais plus. La Coupe de France est plus prestigieuse, mais j'aurais plus la Coupe de la Ligue parce qu'il y a moins de tours. Et c'est plus facile, potentiellement, d'arriver en demi. Je sais plus qui est, où sont les demi. Je crois que Sochaux est en quart ou en demi. En demi, ouais, je crois. Donc, on le voit, on peut pas dire qu'on a des regrets, mais c'est plus facile d'y arriver qu'en Coupe de France où. Il y a plus de tours, t'arrives déjà qu'au 7e ou 8e tour, tu tapes les 32e, les 16e, les 8e, etc. Qu'en Coupe de la Ligue, quand t'es professionnel, tu peux rentrer qu'en 32e ou 16e, c'est plus simple.
Allez, on va passer à notre invité. Il a joué au Racing lors de la saison 2014-2015. Toujours souriant, notre ami Fred Marquez. Il s'est exilé du côté de Luxembourg avant de revenir en France. Il y avait un garde du corps personnel aussi. Qu'est-ce qu'il nous raconte déjà? T'as encore des anecdotes? Non, mais sur les dossiers. Mais non, ouais, c'est les dossiers avec Fred Marquez. Ah, d'accord, elle sort les dossiers. Attention, Fred Marquez. Marie-Galette a des dossiers. Bonsoir, comment ça va bien? Ça va et vous? Ça va et toi? On le disait, au Racing lors de la saison 2014-2015, c'était pas la meilleure des saisons du Racing, mais t'étais présent effectivement du côté de la Méno. On t'a vu partir du côté du Luxembourg, maintenant de retour en France du côté d'Épinal, et puis surtout de retour à Strasbourg samedi, pas avec le même maillot, mais avec celui-là de l'adversaire. Comment ça va bien, Fred Marquez? Ouais, écoutez, ça va très bien. Là, je suis à Épinal, je me sens bien, j'ai du temps de jeu, le coach me donne de la confiance et tout se passe bien. Bon, c'est vrai qu'on a loupé notre début de championnat, mais là, on a commencé à retrouver des automatismes. Il y avait 17 joueurs qui sont arrivés, donc le temps que ça se fasse. Donc là, on a commencé à remonter. 17 joueurs et, voilà. 17 oui. joueurs Entre 15 et 17, oui. C'est pour ça qu'on a eu du temps à tout se mettre en place et là, ça va mieux, on a un match en retard. Si on gagne ce match, on sort de la zone rouge. Après, t'as pas eu peur au moment de signer? Épinal est quand même un club abonné au sauvetage de la DNCG de dernière minute. C'est le sauvé de la DNCG chaque année. C'est clair, mais c'est pour ça que maintenant on va essayer de se sauver sportivement cette année. Et comme ça sera mieux. Et on parlait de ton départ du Racing. Est-ce que t'as pas une pointe de mélancolie, mais de dire t'aurais pu mieux faire du côté Strasbourg, de dire bon. T'étais quand même un buteur d'instinct, mais t'es parti un peu sur la pointe des pieds et finalement on n'a peut-être pas vu tout ton talent. Mais c'est sûr, non, j'ai quelques regrets, mais j'ai fait un bon début de championnat, j'étais à 3 buts et 4 passes décisives, je me sentais bien, j'avais la confiance de tout le monde, des supporters, du staff technique. Et après j'ai eu ce carton rouge à Chambly où j'ai fait 4 matchs et l'équipe a tourné un petit peu. Après l'arrivée de Jérémy Blayac et après ils m'ont poussé un peu vers la sortie, genre un prêt pour Paris FC. Mais c'est parce qu'ils m'ont dit que je n'allais pas avoir de temps de jeu. Donc voilà, j'ai opté pour ce choix. Mais ouais, je pense que avec du recul, j'aurais dû rester à Strasbourg. Ça me manquait quand même. Mais j'ai quand même fêté la montée en Ligue 2 avec Paris FC. Donc c'était quand même un bon moment. Je me souviens, on vous regardait, il me semble que moi je vous regardais jouer parce que vous étiez concerné aussi. Si vous gagniez, peut-être qu'on descendait pas, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Le dernier match? Ouais. Oui, c'est ça, si on perdait à Bastia et que le Racing gagnait, le Racing montait. Mais en tout cas, moi je n'ai pas joué le dernier match, hein. Ouais. Je suis à la tribune. Non mais quoi qu'il arrive, ce sera pas c'était un match énervant en plus ce match-là. Ah, c'est toujours le même gars qui a crié. Ouais, c'est ça. Et du coup, arrivé à Épinal, cet après-midi, vous avez joué un match amical. Alors, pourquoi avoir fait ce choix du côté d'Épinal? C'est du fait du calendrier? C'est parce que vous jouez samedi, vous avez un match amical là? C'est un peu dans les jambes, ça doit être compliqué, non? Ouais, c'est clair. Bon, je sais pas. On est arrivé, on a repris le 29. Et le 29, ils ont dit comme quoi on allait avoir peut-être un match amical contre le FCMS. Et voilà, ça s'est confirmé. Et je pense que c'est peut-être pour se mettre. Même niveau que Ligue 1, Ligue 2, voilà, essayer de faire des joueurs expérimentés pour que on a pas mal de jeunes qui ne connaissent pas le haut niveau, pour pas qu'ils aient de pression particulière. Donc c'était un bon match, on a perdu 1-0, mais voilà, on a eu deux équipes, on a fait tourner, tout le monde a joué une mi-temps. Et voilà, ça s'est bien passé malgré la défaite. Est-ce que je disais plutôt un score honorable, 1-0 contre une équipe de Ligue 1, sachant que Metz a dû aussi mettre des titulaires et a fait tourner également? Est-ce que vous ressortez satisfait et comment vous abordez le match face au Racing? Alors pour le Racing, franchement, moi je l'aurais dit, on n'a rien à perdre. De toute façon, on sait, le Racing, c'est costaud, joueur de qualité, gros public, ça, je l'aurais averti. Et nous, on n'a rien à perdre. On arrive, on est petite équipe, on arrive avec nos petits moyens et on sait qu'en match Coupe de France, tout est possible. Surtout que nous, on est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Surtout, à domicile, on n'a qu'une victoire. Et c'est en Coupe de France. On n'a pas gagné en championnat. Donc, on est mieux à l'extérieur. Voilà, on n'a rien à perdre. On va venir avec l'intention de s'imposer. Est-ce que vous, la Coupe de France, c'est l'objectif de se dire ça remplit le calendrier? Ou au bout d'un moment, comme vous vous battez pour le maintien, vous allez dire peut-être le match de Strasbourg ou peut-être le suivant, le tour suivant, on va peut-être on se fait encore plaisir sur une grosse Ligue 1 ou Ligue 2, puis après, on va laisser couler, quoi. Oui, c'est ça. C'est bon, nous, la priorité, c'est le championnat, bien sûr, mais on voulait vraiment aller jusqu'en 32e
pour pas avoir de trous dans le calendrier. Et voilà, c'est chose faite. Voilà, il y avait, on était dans le tirage, il y avait Paris, il y avait le PSG, il y avait le FC Metz. Mais moi, en tout cas, je voulais vraiment tomber Strasbourg à la Meno. J'étais le seul. Tu veux marquer, c'est ça? Mais si tu marques, Fred, on te voudra pas, mais fais pas l'avion, s'il te plaît, fais pas l'avion. Non, je ferai. Je crois qu'il y a Ernest qui va te couper les pieds, de toute façon. Oh. J'ai eu au téléphone, là, il y a des jours, et on commence déjà à se faire rire, à s'envoyer des vannes, et il va me découper, donc je lui dis, ouais, je te connais, tu sais. C'était ma question. Est-ce que ça commence, tu as dit avec Ernest Seca, mais est-ce qu'avec d'autres joueurs ça commence à chambrer en disant fais gaffe, ou vous appelez, vous de dire fais gaffe c'est... Ouais, si, il n'y a qu'avec Seca pour l'instant. C'est, après, il va attaquer Salmier, Johan et Bauken. Ouais. Ça va commencer. Et voilà. C'est, non, mais c'est, ça se charge. Voilà, ça reste bon enfant. Quoi. C'est méga, ça. Mmh. Ouais, ouais. Et toi, à titre personnel, bah, le national, tu connais bien, j'ai regardé ta fiche, t'es presque à 150 matchs hein, désormais de national. Hein. Ah, déjà, ça y est, je suis un vieux, je suis un routard du national. Est-ce que tu t'es mis à Épinal, t'as signé pour combien de temps? En fait, je suis prêté par Dudelange, ouais. Club du Luxembourg, donc je suis prêté un an. Donc, après, j'appartiens encore à Dudelange l'année prochaine, il me reste un an entre-train. Donc voilà, donc moi mon but c'est, ouais, pour l'instant le mercato n'est pas fini, donc de rester à Épinal et de les maintenir quoi, sportivement. Et ensuite, comment tu vois plutôt de t'imposer au Luxembourg ou de se dire ben si j'ai des opportunités dans un club en national ou même dans une autre peut-être en troisième division allemande ou ailleurs, ben, tu seras à l'écoute? Franchement, je pense pas, j'ai 31 ans. Maintenant, ma vie est ici. Je pense que je vais revenir sur Luxembourg, ou même jouer dans un petit niveau. Surtout que là, j'étais papa il y a un mois. Félicitations! Ouais, félicitations! Hey, on a mis la balle au fond. Hein. Toi, tu auras des problèmes. Ouais, je sais. Non, mais ça veut dire qu'il a pas beaucoup dormi les derniers temps, c'est surtout ça. Ouais. Ouais, bah c'est pour ça que je vais pas trop, j'étais pas trop là et ouais, voilà, en plus j'ai ouvert un commerce, j'ai ouvert une pizzeria, donc je prépare l'après-foot, donc voilà, tout se passe bien. Ça veut dire que tu nous invites à manger alors du coup, c'est ça? C'est comme vous voulez. Tu fais pas le nord, toi. Là, je l'ai mis dans la merde. Il peut pas dire non, de toute façon. Donc, Fred, comment vous vous préparez pour ce match de samedi avec les conditions, surtout dans lesquelles bah, vous vous entraînez depuis quelques jours là, on imagine qu'à Épinal, il fait pas plus chaud qu'à Strasbourg et qu'il y a pas moins de neige qu'à Strasbourg. Hein. Non, il fait beau, il fait 25 degrés. Ah, ouais. Il y a la plage. Sérieusement, il fait moins de. On s'entraîne voilà, sur de la neige, terrain synthétique. Ouais, voilà, ça s'adapte. Hein. Et en fait, les moyens, mais bon, tout se passe bien. On s'entraîne quand même correctement, donc tranquillement. On espère que ça va jouer quand même. Parce que c'est vrai que. Pour samedi. Ouais. Non, moi, en tout cas, non, je le connais, le stade, donc ça va. Pour moi, ça va aller. On n'a pas de doute sur la tenue du match. Non, on rassure tout le monde. Je pense que voilà, il n'y aura pas de soucis. On va envoyer un. Après, on joue exprès à 3h, donc. Oui, c'est ouais, clair. Non, mais c'est vrai jouer, que, bah, voilà. Bah oui, non, ça va jouer, ça va. Il faut que ça joue, de toute façon, après, avec les tours de Coupe de France. De toute façon, vu la météo qu'il y a la semaine prochaine, ça ne changera rien de reporter de quelques jours, de toute façon, quoi. Hein. Non, c'est clair. Oh, bah, j'espère que ça va se jouer. C'est bien, tant mieux. Un petit mot, peut-être, on en profite, ouais, sur ce championnat national que tu as retrouvé. C'est toujours aussi difficile, parce que je pense que nous, on est bien contents de l'avoir quitté. Hein. C'est quand même difficile, bah, difficile. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à le quitter. Ça fait des années que je suis en national et voilà, pour moi, c'est costaud, il y a beaucoup de duels. Le premier qui vient contre le dernier, vous connaissez, c'est bourbier un peu quand même, c'est costaud. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais, donc voilà, après, on voit les équipes qui montent des séjours qui sont déjà au haut du tableau, comme Concarneau, tout ça. Les équipes qui sont descendues de Ligue 2, comme le Paris FC Créteil qui sont dans la zone rouge. Donc, ouais, c'est un championnat très très difficile. C'est ce que j'allais dire, c'est la surprise de championnat, Concarneau qui est premier alors qu'il vient de CFA, alors qu'on attendait, comme tu disais, Créteil devait avoir une grosse équipe, il y avait Laurent Fournier qui était limogé, et le PFC également, et en fait, pas du tout. Ouais, c'est ça, en plus, pareil, il y a deux, avant l'entrée, on était parti jouer à Concarneau, ils n'ont rien d'exceptionnel, juste une équipe de guerriers, de copains, et ils vont charbonner, ça fait 5-6 ans, ils ressemblent aussi, donc ils ont des automatismes.
Après, voilà, ben, il y a le PFC, grosse équipe, gros budget, avec les joueurs qu'on connaît. Mais bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est costaud, hein. C'est comme ça. Hein. Faut, quand tu descends de Ligue 2, il faut vite remonter. Quand tu descends en National, je veux dire, il faut vite remonter en Ligue 2, quoi. Pour les équipes qui descendent, quoi. Si je me trompe pas. C'est facile de remonter, même. Oui, ouais, c'est vrai que c'est très difficile. Hein. Et je pense que voilà, on vous souhaite en tout cas de vous maintenir avec Épinal, parce que voilà, bah, c'est vrai que bah, on a des bons souvenirs Épinal aussi. Hein. Ça vous rappelle des choses, oui. Hein, ouais, des petits matchs, un petit voyage il y a quelques années. Donc forcément, ça rappelle des bons souvenirs quand on parle d'Épinal. En tout cas, voilà, bah, ça, c'est le retour d'Épinal à la Méno. Voilà, on espère bah, que ça sera quand même un beau match. Hein. On imagine que les conditions vont pas être évidentes du tout samedi. Je vais y arriver samedi à 15h, mais bon, en tout cas, on espère vivement. Bah, qu'on aura plaisir bah, en tout cas te revoir sur la pelouse à Méno. On imagine que ça va être particulier quand même pour toi. En tout cas, j'espère être bien accueilli. Je pense avoir respecté le maillot, mouillé le maillot, respecté le club. Et ouais, moi je m'attends voilà, à une belle fête et que le meilleur gagne. En tout cas, je viens avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour ce club. Que vraiment, si je dois retenir un club que j'ai fait, malgré que je suis resté 7 mois, c'est le Racing. C'est quelque chose d'exceptionnel par rapport à l'histoire, le club, les joueurs qui ont porté ce maillot. C'est pour ça que j'ai signé. Quand on est sorti en CFA, j'ai pas hésité, malgré que j'avais des contacts en national. Voilà, donc le Racing, il est très sûr dans mon cœur quand même, même si je suis resté 7 mois. Mais j'ai bien kiffé. Et ben, en tout cas ça fait plaisir d'entendre ça, en tout cas ouais. L'année dernière ça fait plaisir parce que on te sent attaché, on imagine bien que ça tu suivais quand même les résultats du coup au fil des semaines et des mois, même encore cette saison je pense. Ouais, bien sûr, je suis tous les week-ends, je regarde, j'envoie des messages, je félicite les joueurs, que ce soit quand Steph Baukenimark, Kutsak, Ernest. Et je suis venu aussi à la Méno là, je sais plus c'était quel mois, je crois c'était septembre octobre quand ils ont joué contre Troyes. Je suis venu, j'étais présent à la Méno et que... Septembre, non, ouais. Ouais, donc contre 3 ou victoire 2-0, j'étais présent dans le stade, j'ai revu des collègues comme Jean-Philippe Sabot. Et voilà, donc après je suis parti au vestiaire, le président Marc Keller m'a très très bien accueilli, il m'a ouvert les portes, il m'a dit t'es chez toi, vas-y, rentre. Et puis voilà, j'ai vu les joueurs, j'ai récupéré des maillots, voilà. Non, franchement tout le monde était sympa avec moi et bon, franchement c'est nickel. Bah en tout cas ça fait énormément plaisir. Petite anecdote quand même, l'année dernière t'as joué avec Ibrahimovic quoi. Est-ce que les supporters le savent ça? Ah, le frère d'Ibrahimovic, ouais, il y a un joueur au Luxembourg, c'est un bosnac. Ouais. Il est de Bosnie et ouais, il marque pas mal de buts pour la vingtaine. Il s'appelait Ibrahimovic, exactement. Ouais, c'était pour Ibrahimovic. Voilà, c'était pour la petite anecdote. J'ai mis la Maria, t'es regardé, elle savait même pas. Hein. Non, je l'ai pas la Tani. Voilà, en tout cas, bah écoute Fred Marquez, merci. Et puis bah, on te souhaite un bon match. J'espère. Bon, tu seras dans le groupe de toute façon samedi. En tout cas, j'espère être dans le groupe au moins. Hein. Dans le groupe là. Je crois que je déchire ma licence et... Tellement heureux, voilà, bah, quoi, je sais pas s'il faut qu'on te souhaite de marquer, parce que forcément, bah, on aura un peu le cœur pris entre dans un étau, mais voilà, en tout cas, on espère que ce retour se passera bien pour toi du côté de la Méno, et puis bah, comme en Coupe de France, bah, voilà, que le meilleur gagne, celui-là qui aura plus envie, passera forcément ce tour, et puis après, comme on disait avant un peu, bah, pourquoi pas rêver d'un plus gros match après au tour suivant, bah, sachant qu'on a évité quand même le PSG et d'autres équipes encore là, ce tirage au sort. Non, bah pourquoi pas ça pour le tour suivant quoi. Ça marche, ouais, pas de soucis. En tout cas, je vous souhaite de continuer comme ça. Et j'ai vraiment kiffé avec vous quand j'étais passé avec la radio, avec vous, RDS, avec Alassane Indien, elle est très très bien rigolée. Oui, garde du corps. Garde du corps, et j'étais venu aussi avec lui quand c'est son tour. C'est ça, ouais. Donc franchement, continuer comme ça, belle équipe et tout. Et toi, t'es le bienvenu. Tu viens quand tu veux, c'est ouvert. Ça marche, ouais, c'est un local, c'est un jour, je suis là-bas, ça, pas de problème. En tout cas, merci Fred Marquez, on te souhaite une bonne soirée, et puis bah, on rendez-vous samedi à ce moment-là. Ok, ça marche. Merci, bonne soirée, salut. Ciao, ciao. Bonne soirée, salut. Voilà, en direct avec Fred Marquez, l'ancien joueur du Racing, bah, qui avait effectivement passé quelques mois du côté de la Méno, qui reviendra ce samedi 15h. Voilà, c'est bon, je l'ai en tête maintenant, cette date que j'arrive pas à retenir. Et Amiens, c'est quand? Les vendredis. Non. Eh ben non, c'est samedi 15h. C'est ça. Voilà, c'est pour ça, je savais, c'est pour ça que j'ai eu. Voilà, le Racing, enfin, en Coupe de France, on verra ça, bah voilà, un petit tour encore, non? Ouais.
Deux tours, c'est pas mal. Deux tours, ouais. D'accord. Ouais. Bon ben écoute, on verra ça. Effectivement, le Racing après un mois assez compliqué hein, quand même hein, parce que c'est vrai qu'on a parlé de ce déplacement à Amiens. Amiens, c'est jamais les gros matchs. Enfin c'est jamais ouais. J'ai pas de forcément non, surtout c'est un match de haut de tableau. Amiens beaucoup a bien tourné cette saison. On les avait battus un peu sur la première journée contre le cours du jeu. Ils avaient Camara qui avait été expulsé et j'ai toujours dit que s'il avait pas été expulsé Camara, on aurait perdu le match et la saison aurait pu être différente. Mais attention à ce joueur, c'est vraiment. J'ai trouvé que c'est. J'ai un peu regardé sa saison, il marque assez régulièrement. Je pense que c'est leur pièce maîtresse. Un des joueurs forts de cette équipe d'Amiens. Donc voilà, ça sera surveillé. Un nul serait pas un mauvais résultat. Ouais, je me souviens d'un match nul avec Antosiki, non ? Il y avait une double but assez rapide. En, ouais, mais c'est le mec qui met une lucarne de 30 mètres, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est ouais. Ça, ce match nul, si pouvait. C'était en national, ça. Ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, d'après ce qu'a dit Thierry Loret, voilà, c'est clair que si on accroche quelques points comme ça par-ci par-là, parce que le Racing donc jouera la semaine prochaine du côté d'Amiens, après recevra Tours, avant de finir le mois du côté de Nîmes, voilà, et puis après on reçoit Ajaccio, enfin on enchaînera tous les autres matchs. Sachant qu'il y a un déplacement organisé par les assos de supporters la semaine prochaine. Voilà, il y a pratiquement du bus de toutes les assos, hein, KCB j'ai vu, Fédération KCB, aussi, ouais. Mais je pense aussi, ouais, donc ouais. Voilà, il y aura, 3, ouais. On imagine qu'il y aura, voilà, il y aura pratiquement 150 supporters, 150-200 supporters du Racing du côté d'Amiens, et c'est plutôt bien, hein, ça fait plaisir de voir que les supporters continuent à se déplacer comme ça. En tout cas, bah, nous on va suivre cette rencontre samedi, bah, voilà, en direct hein, bien sûr, on espère que ça va jouer, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne se joue pas. Mariette, on t'envoie demain en envoyé spécial pour les vérifier. Demain je ne suis pas là. Je suis pas disponible. Allez, alors Alex, il a toujours le temps lui. Ouais, mais il y en a qui travaillent ici. Ah d'accord. Bon bah Anto non plus, non ça marche pas. Non. Bon bah on va essayer de trouver quelqu'un, une fourmi alors pour aller vérifier que le terrain mais est bâché. Mais je pense à mon avis qu'il doit être bâché. Bah il faudrait. Les conditions, je pense bien. Ouais. En tout cas sinon bah voilà, info mercato peut-être. Pas grand chose pour le moment du côté du Racing. Qui avait signé là. Ouais. Et c'est pour la 2. Bah ouais, mais à 17 ans. Premier temps, alors, ouais. Moi je vous explique, c'est très simple. Attention, il vous explique. Non, c'est très simple. Marc Heller l'avait expliqué, le centre n'est pas encore agréé professionnel. Donc du coup, ils peuvent ne garder aucun joueur, ils peuvent pas faire des contrats stagiaires, etc. Ça n'existe pas. Donc si t'as envie de garder un joueur ou de faire venir un joueur, t'es obligé de le faire signer professionnel. Mm. Tout simplement. Donc c'est pour ça que le mec a signé professionnel. Mais en fait, c'est l'équivalent, s'il veut, entre guillemets, d'un contrat aspirant, quoi. Il est amené. Dans les 2-3 prochaines années, à potentiellement intégrer le groupe pro. Il va s'entraîner avec les pros, mais va être mis à la disposition de François Keller et de son équipe et va continuer. On est sur de la formation toujours, c'est juste que. Ça s'appelle un contrat pro. Voilà. Non, mais sauf que le centre est toujours pas agréé. Il y a d'autres types de contrats qui existent, mais comme le centre n'est pas agréé, il n'a pas signé ce contrat-là. Donc, du coup, ça fait un coup énorme. Il a signé un contrat pro, mais en vrai, bon, bah, c'est juste normal par rapport à la situation du Racing. Mais je pense que. Un centre qui devrait peut-être agréer, là, d'ici quelques semaines, ce mois-ci. Mais du coup, c'est aussi l'avantage du Racing. Je pense que le joueur a dû choisir Strasbourg peut-être entre d'autres choix parce que le Racing lui a proposé un contrat professionnel tout simplement et que, voilà et du fait de sa situation. Et puis peut-être qu'il s'est inspiré de Johan Salmi hein, et de sa montée en puissance, lui qui venait de DHR, peut-être c'est la belle histoire aussi. Ouais. En tout cas, voilà, un jeune joueur de 17 ans hein, qui a rejoint le Racing Club de Strasbourg. Voilà, en tout cas sur le reste au niveau de l'équipe première, pour le moment, pas de mouvement. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément péril dans la demeure. Il y avait 15 joueurs qui partaient, même si Botaïbi est un joueur très important de l'effectif et forcément il manquera ces prochaines semaines. Mais c'est vrai que bon là, il y a de quoi remplacer. On l'a déjà vu sur d'autres matchs où il y avait à chaque fois. Des joueurs pour remplacer, mais ça donnera aussi du temps de jeu peut-être à d'autres joueurs, peut-être voilà effectivement comme tu l'as dit Blayak qui jouera devant des Ben Kaïd ou d'autres profils encore qui sont pas là, sachant que voilà le Racing va jouer toutes les semaines en plein hiver, on sait comment d'habitude décembre est plutôt moyen. Là, le Racing a réussi peut-être le plus beau mois de décembre de son histoire. Parce que... Depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que je me souviens que l'année passée, c'était carrément le contraire. C'était 3 défaites. Là, c'est 3 victoires. Donc, c'est vrai que bah, ça fait plaisir et on espère que ça dure encore très très longtemps. Mais c'est vrai que le mois de janvier, là, va être difficile. Et donc, autant en profiter pour que ce soit le mieux possible et que bah, le Racing enchaîne les victoires et pourquoi pas voilà, bah, continuer à accrocher ce peloton de tête. Moi, je signerais bien entre la deuxième et la 8ème place. Non, il faut surtout pas qu'on monte. Malheureusement, je souhaiterais, hein, mais il faut surtout pas parce que le club est pas encore prêt. Par contre, ce qui serait bien de faire, c'est un match de barrage, 3ème, un peu à la Strasbourg-Rennes. Tu vas mourir, toi.
Et un match de barrage contre Metz. Contre Metz, effectivement. Ou Nancy. C'est le vœu de tout le monde, tu vois. Ou Nancy, ça ferait remplir le stade, ça ferait des fonds pour le club, ça permettrait d'investir durant l'été. Le club, je pense, est en train de réfléchir à faire les travaux nécessaires. En même temps, on commencerait à faire la structure Ligue 1. On commencerait les travaux et on montrerait l'année suivante, ce serait parfait. Enfin voilà. Voulons pas les étapes, je pense. C'est l'idéal, mais il faut pas monter trop vite. Voilà. Il faut pas monter trop. On n'est pas prêt. Le club a pas les structures pour le faire, d'accueil, de VIP, de choses après, comme ça. Si on finit premier du championnat, on va pas refuser la montée. Ah bien sûr. Et je ferai la fête, et je serai le plus heureux des hommes. Mais et il court à tout nu. On sait. Voilà. Aussi. Ouais. Dites avec un grand sourire. Ouais, elle attend ça depuis 4 ans. Hein, ouais. De me voir à poil. On l'a vu à Nouvel An, oui, le mec. J'ai pas envie de savoir. Non, pas lui. Un autre. Ah d'accord. Ouais. Toi? Mais... Non, on est sérieux, non? Non, mais du coup, c'est juste que la saison d'après en Ligue 1 serait compliquée dans ce cas de figure-là. Ouais, moi je suis d'accord qu'on se maintienne. Allez, en tout cas, on espère que le Racing passera en tout cas ce tour de Coupe de France. Pourquoi pas se faire plaisir en recevant un ténor de la Ligue 1? Ça serait sympathique, même si ce sera peut-être en hiver, mais c'est clair que si le PSG débarque à la maison dans un mois, eh ben, ça, on aura c'est une nouvelle rempli. Ouais, non, c'est clair, ça sera sympathique. Pas trop rêver non plus. Allez, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission de reprise. La semaine prochaine, on fêtera les 7 ans. Les 7 ans, tout simplement. Et on l'a dédié, du coup. Putain, 7 ans, hein, comme disait Chirac. Et ouais. Déjà 7 ans, ça on fait des émissions. Enfin, une rétro, sortir les vieux podcasts. Non, c'est horrible. Les photos, tu peux. Les photos, ouais. Parce que le podcast, c'est juste horrible, quoi. Ouais. Les émissions pourries du début, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'histoire. Ah, les dernières émissions, elles étaient pas mal. Hein. Moi, j'ai bien rigolé, hein. Ah oui, mais on revient 7 ans derrière, on en reparlera. Mais non, oui, mais on refera pas l'histoire. En tout cas, voilà, on est très fiers. On entre dans cette 7e année à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, comme la femme est l'avenir de l'homme, ça sera spécial féminine la semaine prochaine avec les membres de la section féminine du Racing Club de Strasbourg qui viendront nous parler de cette jeune section qui est en plein boom avec plus de, je crois, 120 licenciés. Et vous regarderez sur le site parce qu'on vous a fait un petit résumé. Ils sont pratiquement en tête dans tous les championnats avec des buts et des différences de buts surtout de ouf. Bah c'est plutôt waterpolo que football. Hein. Ouais. 15-2, 17-3. Et puis surtout 20 matchs, 20 victoires. Enfin, voilà, ouais. C'est juste fantastique. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve donc samedi 15h à la Méno pour ce match de Coupe de France face à Épinal. On vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis on vous laisse avec les meilleurs sons des années 90 sur le 919. Comme on dit chez nous. Allez, à la signe. Bonne soirée. Ciao. Ciao.